Salut tout, on se retrouve pour la suite sur Anno 1404. On arrive vers la fin de la partie plutôt. Et Erreur 7 a Erreur proposé. voudrait qu'on se déclare la guerre pour déterminer si je gagne ou non. Sachant que je suis sur le point de faire une première condition de victoire. Les pièces, ça peut être très très long. Tu me dois encore énormément de sous, j'aimerais bien que tu me rembourses d'abord. Pourrait jamais être remboursé. Mais si, tu dois pouvoir. Tu vends des bateaux et c'est bon. Je peux pas faire un traité de paix avec l'autre loup. La production a été interrompue. Vous n'êtes pas le genre de partenaire commercial que je... Le vilain, il m'insulte. On découvre vos colonies dans les endroits les... Oh! Je serais ravi de vous... Vous dites que les reliques dans ma gamme de produits sont des contrefaçons? Oh, notre accord est révoqué. Il n'est tout simplement plus rentable. La résolution de ce problème dépend de vous. Notre accord est révoqué. Il n'est tout simplement plus rentable. Vous savez saboter les... Horreur, t'es sérieux? Tu me dois encore des sous. Il ne peut y avoir de meilleur instant. Mais je peux pas te les payer. Progresse sur votre territoire. M'insulte grossièrement. Ah, et du coup, il y a tes tours qui automatiquement me tapent sur le bat. Ah. Bah oui. Attaque un de mes navires, c'est ça, c'est un de mes meilleurs navires. C'est une vieille de tes tours qui tape. Qu'avant on était alliés. Moi je vais pas t'attaquer, hein, je veux juste défendre. J'ai même pas fini de la tuer. Pas drôle. Ouais, t'as des maisons, toi, ouais. Bonne maison. Je me fiche bien de ce que vous voulez. Voilà, désormais ça c'est à moi. Moi je te l'ai dit, oui. Hein, je veux que la partie c'est fini parce que ça va jamais se finir. Quels sont vos ordres? Quels sont vos ordres? On y va! Vos instructions! On y va! Nous sommes prêts! Quels sont vos ordres? Nous vous écoutons. Au pas de charge. C'est quoi la circonscription? C'est un bâtiment? Mais ça sert à quoi? Moi je sais pas, j'ai rien de tout ça. J'explore chez toi pour l'instant là. Ah ouais, t'en as des patriciens. Un sbire ennemi a été aperçu dans votre colonie. Mais non, citoyen. C'est toi qui m'envoies un sbire? De quoi? Hein. Pris la main. Ah, dommage. Pris la main dans le sac. Oh, pour lui, ce sera le donjon. Oh non. T'as contrarié mes plans. Tu l'as trouvé si rapidement que ça. Ouais. Désolé, hein. Genre, il est entouré en bleu ou quoi? La production. Il est pas entouré en couleur, non? Si, si, il est entouré en bleu, mais. Une attaque. Oh, on m'attaque. Ouais, d'accord, c'est ma tour. C'est ma tour qui s'attaque. C'est celle qui a attaqué en première. Moi, j'ai rien voulu faire, mais elle m'a sauté. Vous avez fait une bonne affaire cette fois. Ouais, du coup, tu mets derrière de commerce et je peux pas rien faire.
Je pense que tu vas gagner, ça peut être très... L'empereur serait un homme heureux. Vous avez été vaincu au combat. Oh, il y a tué maintenant. Crapule. Hein? Ah, d'accord. Mon raccourci marchait pas, je sais pas pourquoi. Hop. Oui. Vous seriez bien inspiré de payer. Personne ne contredit Hassan Ben Saïd. J'ai vu le bateau apparaître. Et personne ne survit pour s'en vanter. Ouais. Un ennemi a détruit l'un de vos bâtiments de commerce. Oh. Oh non. J'ai presque rien pu faire chez toi. Bah si. Il passe des sous. Trop ça. Non mais tu vas gagner, je crois. Attends, m'appelle Discord en plus. Ah, c'est le bon moment. Non, parce que ça vient en pause. Une juste transaction. Toi la cible de tirs ennemis. Un de vos navires a été détruit. Un de vos navires subit une attaque. Ah ouais, t'as des navires partout, toi. Les corsaires attaquent votre navire. Ah, les relous. C'est qui les relous? D'accord. Ouais, ils font des tours comme ça. Par les corsaires. Cible de tirs ennemis. Ça me plaît. La production a été. Ouais, bah tu risques de me faire trop cher. Votre navire est la cible de tirs ennemis. Il a explosé toute ma flotte. T'as acheté des bons bateaux, c'est ça, non? Même pas. J'ai gardé mon honneur. Bon, ce que je viens de faire, ça va être monstrueusement intéressant, mais bon. Rien ne peut nous arrêter. Soldats, en avant. La guerre est une source d'affaires et nul. Quoi, Horreur vous attaque? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi? Horreur vous attaque. Un de vos bâtiments subit une attaque. Je t'ai pas attaqué, mais.
Ah, j'ai plus que 4 navires, ok. Un peu là. Votre peuple se languit de trouver de la compagnie. Ah, j'ai ça enfin gagné. Alors, on va pouvoir déplacer la tour, du coup. Les détails doivent rester entre nous. Ah, c'est devenu un bâtiment neutre. Mince. Ouais, bah, je commence à perdre des sous déjà. Repentez-vous pour vos péchés. Mais les impies provoquent leur propre. Rien ne peut nous arrêter! C'est quoi ça? Imprimerie et bâtiment de marché et saline. Mince, mais j'ai pas ce qu'il faut pour aller avec. On va juste virer pour l'instant. Ça sert à rien en fait. Aux instructions. Une transaction équitable. On y va. Quelle manière. Oh wow, je m'y attendais pas. Aux instructions. T'as plein de navires de guerre. Annihiler les de quoi? T'as plein de navires de guerre. J'en ai que 3 et c'est tout ce qui me reste. C'est pas tout. Ah oui, il y en avait un qui était de commerce. Bon. Ouais, j'ai un vieux truc. Si je peux vous aider de quelque manière. T'as gagné, on dit ça comme ça? Attends, faut que je termine au moins un truc des conditions de victoire. Ah bah c'est fait. C'était quoi? Couler les bateaux. Bon, en vrai, on aurait pu continuer très longtemps. Je me serais installé sur une autre île. D'ailleurs, pas déclaré la guerre. Eux ils sont pas assez nombreux. Je me suis rendu compte qu'en fait ils pouvaient être 1800 et qu'ils sont que 900. Rien ne peut nous arrêter. Que croyez-vous faire? Qu'est-ce que je crois faire? Je pense pas qu'on va encore se battre très longtemps. Ouais, ce sera la micro-bataille finale. Sachant que j'ai deux petits navires qui arrivent aussi. J'ai plein d'argent qui... parce que j'ai ville hors de ma ville principale parce que j'ai plus assez de place et sans manque de nourriture, de boisson. Et du coup là t'as gagné clairement. Ah, rébellion parce qu'ils ont plus de bouffe et tout. Ah, trop, tu viens vers ma ville qui est en droite. Ah, sauvegarde. J'ai pas de truc incendie, ça va pas arrêter de brûler parce qu'il y en a. Ils veulent vouloir se rebeller. Ça va être drôle. Tu peux venir voir? J'avais un bateau. J'aimerais juste couler ton dernier bateau qui essaie de tuer mon bateau du sultan. Salam alaikum. C'est un. Ouh. Monte en haut à droite si tu vois ou pas. Ouais, je vois tout ce que tu vois. Ah, tu t'es fait une micro île. Bah oui, j'avais plus du tout assez de place. Mais t'as pas d'incendie là-bas? Quoi? Ah, en effet, t'avais bien couvert ton île, j'en étais pas rendu compte. Par contre, t'as des plans qui sont de chambre que tu pouvais virer. Genre tout là, tu pouvais mettre des maisons. Regarde en haut à droite, ils sont en train de tout brûler.
Enfin, ils vont tout brûler parce qu'ils sont tous pas contents parce qu'ils ont plus de nourriture et plus d'eau. Ils ont plus rien de bien. Ah, tu veux les pousser à se rebeller? Non, en fait, j'ai pas le choix. Il y avait un transport qui allait les retour avec tout ouais, ce qu'il leur fallait. Ouais, mais tu veux voir une grande révolte pour la fin? Ouais. Eh ben, tu leur coupes l'accès à la nourriture. Ils sont déjà. Ils ont plus d'accès à la nourriture, il y a plus de. Non, mais ceux de ton île principale. Ah oui. Comment je leur fais ça? Je clique sur. Tu cliques sur les maisons et tu cliques sur les. Donc tu vas sur par exemple la nourriture. Et sur la nourriture, tu cliques sur le poisson et tu cliques sur les épices et ça bloque l'accès. Vous entendrez parler de moi. Habits, hein. En vrai, moi, il me manquait plus de population. Enfin, si, il me manquait 5000 de population, mais c'est à peu près les émirs qui me manquaient. J'aurais dû peut-être aller prendre l'île de Lida, faire plein d'émirs, et vu que je gagnais des sous, je m'en serais sorti. Et si jamais j'avais les 8000 de plus, je gagnerais plus de 1000, si jamais j'avais pas le coût de la guerre. Début de la conquête. Là, les îles principales, ça va être très drôle. Ça, c'est à moi. Ok. Je vais juste faire la paix avec Marie. Vous êtes le diable en personne. Ma voix est différente. Oh, les bêtes. Est-ce vrai? Bah oui, c'est vrai. Je suis destinée à... J'enlève le bâtiment anti-eau, hein, sinon ce serait pas drôle. Ah bah oui. Du coup, t'as fait des rébellions où? Bah, des rébellions partout, là, ça va être le bazar. Hein. Alors là où ça brûle... Bah, en haut à droite, ça commence déjà. Vous avez remporté la bataille. Ah, j'ai gagné à Wolfhaven. Ouais. T'as cassé une tour à moi, ouais. Ouais, j'ai vu. Les habitants de votre colonie. Non, regarde, en haut à droite, ça va être le plus beau. Ah, mais je gagne masse de fric, du coup. Pourquoi je gagne autant de fric? Pourquoi je suis à plus 1000? Quoi? Comment ça se fait? Est-ce que t'as plus de bateau? Parce que... Comment ça t'es à plus 1000? C'est possible ça? De revenus? Oui! C'est incroyable! Moi j'ai plein de nomades qui emménagent. Ils sont combien maintenant mes nomades? Pourtant ils payent 1600! Bon, j'avais atteint la moitié de l'objectif population. En haut à droite, ça brûle tout, viens voir! En haut à droite. Ouais. Non, c'est pas si ouf que c'est en bas à droite. Ouais, c'est pas un truc impressionnant. Sur mon village principal, ils sont juste pas contents pour l'instant. Ouais. Déménage. Ouais, c'est ça. Je peux peut-être aider. Je vous préviens dès que voir. J'aurai infiltré la maison. Je vais pas l'attraper, t'es bête. Notre colonie me manque de foi. Il a-t-il mis où le sbire? À droite. En haut à droite? Non, pas en haut à droite dans ton île principale. Pour essayer de déclencher un incendie plus rapide. Attends, je vais casser mes maisons. On ne peut plus près. Elle a disparu. Ouais. C'est ce que j'appelle un feu d'artifice. Ouais, bah je peux trouver ton sbire, mais je vais pas le faire volontairement. Ouais, merci. Parce qu'il y a mais c'est vrai que tu gagnes plus 1000. Parce que tes coûts ont été fortement réduits. Plus 600 là. Ah oui, parce que t'as des maisons qui brûlent, mais. Ah oui, en haut à droite c'est la. Ah, t'avais le monastère dans la montagne, il est bien. Mais il est sur une toute petite île donc c'est pas très intéressant. Monastère de la montagne. Bah ton sbire il fait pas grand chose là. Si, il a déclaré un incendie. Petite flamme deviendra grand. Ah voilà. Hop, regarde, ça commence à brûler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment ça se fait que ça brûle si vite? Parce qu'ils sont déjà en train de se révolter. Non, mais t'as vu? Il a brûlé une maison et ça a enflammé le carré de maison autour. Mais normalement, mes anti-incendies seraient venus. Ouais, mais c'est fou. Que... Je pensais qu'il enflammait une flamme. C'est Roman que t'as mis. C'est ouais. Roman que t'as mis. Ouais. Ah mais ils sont pas en révolte tes gens, ils vont chercher de l'eau, c'est pas drôle. Enfin ceux du sud ils sont pas en révolte, tu leur as coupé toute la nourriture? Alors ils ont plus de nourriture, ils ont plus d'habits. Et ils se plaignent pas. Les citoyens.
Où sont les églises? Hein? Enlevons les églises. Je peux pas parce qu'elles sont en flamme. C'est vrai. Ah oui, en plus c'est vrai. Ah, t'as une maison d'incendie qui a pas cassé. Où ça? Au nord de ton île principale. Au nord à droite. Ouais, moi je vois plein d'endroits où t'aurais pu faire des maisons, mais regarde, moi c'est bien optimisé dans les bords. Bon, pas là, mais. Ah, mais à mon endroit principal, ouais. Il me restait tout ça à construire. Je pense que je pouvais doubler ma population. En virant toute ma prod, je pouvais doubler ma population de. Si on retire 2800. De 3000 habitants. Ça aurait pas été nécessaire d'ailleurs. Et là, par contre, j'avais plus énormément de place, à vrai dire. J'avais tout un nouveau quartier à faire là. C'est un truc hyper utile. Au niveau là, j'ai même plus de nourriture en fait, j'ai pas leur colère. Mais ils ont encore de la foi. Attends, de la compagnie. Mais bien sûr, on va leur couper les routes. Ah oui, coupe juste les routes, hein, pas les. Pas les petits bâtiments de marché, sinon. Ils viennent aider alors qu'ils ont plus rien. Ouais, y'a des relous. Ah, par contre, en haut à droite, va voir en haut à droite. Ces plans de construction comme cadeau de la part de notre peuple. Oh, à droite, ils sont vraiment pas contents. Hein. Ah. Mais ils éteignent quand même. En fait, ils éteignent même s'ils sont en révolte. Mais pas tous, y'en a qu'une partie qui éteint. Ouais, c'est vrai, mais ils faisaient pas ça quand même. Là, tu brûles tout chez moi. En haut, ça commence à brûler. Ah, je vais aller voir. Ainsi, t'as cessé de produire des marchandises. Non, la plus beau, c'est en haut à droite en fait. C'est presque plus rien. Mais ils éteignent, c'est ça le pire. Je serais heureux de vous aider. Bon, mon incendie, il aura brûlé une bonne partie. Je sais pas si le monsieur à haut aurait suffi à éteindre les 8 feux à la fois. Non, mais j'en avais plein partout avant. Même dans cette partie là. Moi, je pense pas que mes messieurs, ils soient suffisamment. Mes anti-incendies, ils soient capables de. D'éteindre à grande vitesse 8 flammes à la fois. Hein. Moi, c'est les villageois qui le font. Attends, arrête de les enflammer parce qu'en fait, c'est quand c'est toi qui enflamme, ils protègent. Mais quand c'est eux qui enflamment, ils en ont rien à faire. Ah. Du coup, là, ils sont plus en révolte parce que tu les aides, tu leur dis. Si, il y en a qui se révoltent sur la place du marché. Je serais heureux de vous aider. Ouais, mais pas grand monde alors rapport. Ils ont encore de la foi? Ou ça. De la foi. J'ai pas cassé toutes les églises. Trois bâtiments de marché là, à quoi ça sert? Où est-ce qu'il y a des églises? Je les vois pas, mais je peux pas les casser. Où est-ce qu'il y a des églises? Bah, y'en a plus beaucoup. Pas d'église là en haut. Y'en a une qui a été détruite. Ah non, c'est bon, ils ont plus de foi. Par brûler. Elle a dû brûler, ouais. Ah, non, il reste une chapelle. Tu sais que je suis encore en 241. Pas trop. Bon, vieux truc 41. Oh, un sbire ennemi. Je vais l'attraper. Oh, dans ma ville principale, c'est le bordel. Principal, le milieu principal. Oh, ouais, ils avaient déjà fait ça dans ma ville principale. J'étais capable de trouver mon sbire. Est-ce que je le cherche? Comme tu veux. La production a été interrompue. Ah merde, attends, j'ai encore les trucs à haut qu'il faut que je casse. Trop tard. Science. Non mais j'ai les trucs à haut. Y'a un gars haut qui se déplace enfermer. Pour cette... Ah, il est là. Ah, ça brûle dans le nord. Ça brûle partout. Tu gagnes combien maintenant? 300. C'est vrai, tu gagnes encore, t'es encore en positif? Oui. Et tu... Ça casse plein de bâtiments principaux. Et tu gagnes combien grâce aux taxes et combien tu dépenses? Alors ouais, je fais en fait plus que 1300 par mes bâtiments. Je ouais, d'accord. C'est que ça te coûte très peu cher les bâtiments. De partout. Ah, forcément tu utilises plus de ressources alors. Regarde ma ville en haut à droite, c'est tellement vide. Ah ouais. C'est ce qui peut arriver. Ah, faudra que je fasse brûler ma mienne.
En final, on fait brûler ma ville. Ah, mais il n'y a plus personne, en fait, il n'y a plus aucun villageois dans ma maison. Oh, à droite, tout le monde est parti. Il n'y a plus personne. Ah non, là, il reste une personne dans toute ma ville. Chut. Si je fais ça, la ville est morte. C'est fou, ça brûle, mais il y a des maisons qui survivent. Ah, c'est des cabanes de bûcherons, c'est pour ça. Attends. C'est bon, j'ai plus accès. T'as plus accès. Ah, il a tout cassé, le fou. Donc là, les bâtiments, ils se détruisent rien que parce qu'ils sont délabrés. Il y a encore un gars qui se révolte parce qu'il y a encore un gars dans une maison. Ah, il reste un paysan. Attends, où est-ce qu'il est? Il est là, moi je le vois. Il y a plus personne. Mais il y a plus personne dans ma ville. Bah, c'est un vestige. Peut-être un bug graphique. C'est vrai qu'il est pas censé rester des paysans. Enfin, si, il y a pas de raison qu'ils partent tous alors qu'il reste des maisons. Attaque terrestre. Non mais regarde tout le feu qu'il y a chez moi, c'est. Hein. Tu peux créer une révolte en haut à droite? Parce que là ils se révoltent même pas alors qu'ils ont plus de bouffe, ils ont plus de. Non, ça me coûte trop cher. Il y a un peu de feu en haut. Ça te coûte trop cher? T'as plus de sous ou quoi? Non, pardon, ça me coûte trop de temps. Quels sont vos ordres? Pour vous, un modeste présent. Un modeste gage de mon respect. Vous recevez 6000 pièces. Un modeste gage de mon. Mais tu vas te ruiner. T'es en manque d'argent. Pour vous, un modeste présent. Mais non, je suis pas en mode d'argent. Je te rembourse. Ah oui, c'est vrai. Mais comment t'as tous ces sous? Modeste gage de pour vous. J'ai gagné des sous entre temps. 4. T'as eu 4 fois 6000. Je t'ai donné plus que ça. Peut-être même plus. J'ai cliqué 4 fois sur le bouton, mais il y en a peut-être qui sont déjà passés. Regarde, ouais, je suis monté à 130 000, mais comment t'as eu tous ces sous? T'as dépensé tout en honneur? Bah, qui m'envoie des sbires ennemis? C'est pas moi, par contre, c'est la meuf. Bon, on s'en fiche un peu, hein. Maintenant. Allez, révoltez-vous! Pas pour moi. Chez moi, ils veulent pas se révolter, ils sont relous. C'est notre destin commun. Ah, je suis en paix. J'ai pris la moitié de son île, par contre. C'est à moi, ça? À moi, on coûte 5000 et elle accepte. Ah non, c'est pas à moi. Ah bah, c'est bête. Du coup, j'ai plus la capture. Bon, elle m'a demandé 3000 pour accepter. Maintenant. Contre 4000, soit elle accepte de dire non, c'était bon, je me dé. L'arnaqueuse. Ça, ça coûte pas des sous. Un sbire ennemi, c'est tout bonnement volatilisé. Ah, oh, un sbire, c'est volatilisé. Bah, je suis content de mes 5000 de taxes. Même si mes coûts de bâtiment sont élevés. La société secrète attend beaucoup de vous. Je voulais le dire, ne non, perdez pas grave. Trop de temps. Mais t'es même pas venu m'attaquer en bas en fait. T'attaquer en bas. Ah ouais, j'aurais pu débarquer sur ton île. Est-ce que t'es en train de casser tes bâtiments là? Oui, je vais besoin de sous pour la réconcilier avec la meuf. Deux joueurs ne sont plus en guerre. Oh, Dieu, soit... Ah, c'est en cassant tes bâtiments que t'as gagné plein de sous. En partie, mais pas que. Ah. J'ai pas cassé tant de bâtiments que ça. 1000 pour telle chapelle. C'est combien la chapelle? 1500, bah 1500 par chapelle. Utilisez ma plume. Non, je rigole, je veux pas te traiter de pas, c'était. Bon bah alors je refuse. Vous ne voyez c'est pas ça en quoi cela vous arrangerait? Ma maison elle est joliment. Faible source d'eau. Bon bah si on s'arrête, je fais peut-être un. Bah sinon je propose qu'on fasse un autre départ de feu beaucoup plus joli. C'est-à-dire? Dans ma ville. Oh ouais, où ça? Ah mais j'ai tombé en faillite parce que je suis à moins 259. Du coup tu vas mourir? Bah je pense. Bon bah je vais déclencher l'incendie moi-même. Mais je sauvegarde d'abord parce que. Parce que ça me fait mal au cœur de détruire ma ville. C'est quelle ville la principale, hein, j'imagine? Ouais. Enfin, c'est laquelle, là, ma ville principale? J'ai autant d'habitants des deux côtés. Tu fais brûler les deux.
Je peux pas faire brûler l'île des nomades. Bah si. Comment? Ah, en les faisant se révolter? Ouais, je sais pas si mais ils font ça. Passe-moi plein de souhaits, je sabote chez toi, t'inquiète pas, y'a pas de problème. Attends, je pense que je vais faire plus simple. Je m'occupe de ta ville nomade, tu t'occupes de l'autre ville, tu me passes 6000 sous et je passe. Alors où sont les lentilles incendies? Ah, faut que je construise une base d'opération. Ah mince, c'est pas ça. C'est que c'est un hospice. Tu me canardes en plus. Hop. Tu peux me passer quelques sous? Comme ça, je peux passer une base d'opération. Ah ouais, c'est 1000 la base d'opération. Ah, il déménage rien que pour la foi. C'est bon, j'ai des sous. C'est bon, j'ai une base d'opération. Tu peux me passer quelque chose? Attends, garde de pompier. Elle avait un grand rayon, celle-là aussi. Peut-être qu'il faudrait que je laisse les chapelles. Sinon, après, ils vont tous partir avant la fin. Bon, moi j'ai vraiment besoin que tu me passes des trucs. Donc généralement j'ai déclenché les révoltes. La question est-ce qu'il reste des cabanes pour pied? Ouais, là. C'est tout. C'est bon, j'ai 4000, peut-être que je peux te faire payer. Arrête pas mon sbire par contre. Hein. Ah! Un sbire ennemi a été aperçu dans votre colonie. Tu peux me passer encore un peu? Enfin, tu peux me passer un peu parce que sinon je vais pas avoir assez. Mets-toi dans une maison d'émir, hein. Des mystères. Des mystères, oui. Que vous n'ayez sous-estimé. Merci. Je crains que vous n'ayez sous-estimé le problème. Une transaction équitable. Attends, il n'est pas encore. Il est juste devant, mais pas encore. Le conseil des 10 vous remercie. Alors, ce révolte arrive. C'est bon, il est prêt. Envoyez faux prophète. Un sbire ennemi a été aperçu dans votre colonie. Attends, regarde dans ta ville principale. C'est le bâtiment du haut. Il y a mon petit gars à côté, juste tire pas dessus. Votre peuple ne peut assouvir son besoin de foi. Votre bâtiment, le bâtiment du haut. Où ça? Je vois pas. Un bâtiment tout en haut. Attends, t'es cool, t'es... Non, mais ça a pas commencé colonie. Encore. Rébellion. Une rébellion a éclaté. Très bien. Faux prophète mène votre peuple dans l'erreur. Ah. Ils font quoi? C'est du bon, coup? C'est bon, et là il rebelle. Faux prophète, durée 10 minutes. Je le vois, ouais. Ça a quoi comme conséquence, faux prophète? Bah je sais pas, c'est ce truc que je pouvais faire. Ça touche tous mes émissaires. Un incendie dévaste votre ville. Ah bah mes citoyens payent 5 alors que les nomades payent 7. C'est pas normal. Oh, le feu a démarré. Chez toi? Ouais. Tu peux déclencher un feu aussi chez moi? Ah, il y a encore une caserne de pompiers. J'ai pas les sous. Bah tu les veux les sous? Oui, à mon île principale. En fait, faut juste que j'attende 5 minutes avant. Oui, cela devrait finir. Ça devrait. Je fais une révolte ou non? Je fais une révolte, hein, pas. C'est mieux de mettre du feu. Mais une révolte parce que le mettre le feu, les villageois ils. Ils sont déjà en révolte, mes villageois. Enfin, tu peux essayer de mettre une révolte si tu veux, mais je sais pas si ça va accentuer les choses. Bah, je sais que j'ai pas trop le choix. En fait, si je fais l'autre truc, ça va rien changer. Ok. Action impossible. Vous devez construire une base d'opération. Ah, juste assez cassé. Ma ville principale, qu'est-ce qu'elle est vide. Oh mon dieu. T'as plus rien? Si, t'as encore quelques paysans là-bas. Ah, mais non, mais oui, j'en ai encore quelques-uns. Je sais pas comment ils font pour sauver, parce que j'ai totalement dit vous plus bouffer. Salam alaikum. J'ai peut-être encore 2 minutes avant. Je suis encore en positif en dessous, c'est fou. Alors que tous mes citoyens sont en. Ils sont très mécontents, ils déménagent, mais ils payent quand même.
c'est un peu bête. Mais ils manifestent, mais ils boulent pas grand chose, hein. Ils sont sympas, tu le tiens. Non, c'est juste qu'ils sont lents. En fait, Faux Prophète, ça a fait... J'ai l'impression que tout le contour... Ouais. Ils veulent plus de bouffe. Alors c'est... Ou alors ils c'est payent plus, en fait. C'est pareil, danseuse du ventre, ça permet que tous les nomades payent plus. Les émissaires, ils sont satisfaits. En fait, c'est un peu pourri, quoi. Et les, ils me payent... Genre, les nomades, ils me rapportent 1000, et les émissaires, ils me rapportent 230. Et une maison d'émissaires me rapporte 5, alors qu'une maison de nomades me rapporte 7. Alors que les émissaires demandent plus de trucs, ils devraient rapporter... 10, peut-être 12. Et d'ailleurs, c'est peu, 10 ou 12. Les citoyens, ils me rapportaient 15. Je ne resterai pas une minute de plus dans cette ville. Ils me passent de l'or avant des... Je vois des trucs et ils me passent de... Encore une minute. Nous n'êtes pas le genre de partenaire comme... Ah mais si je peux, en fait, je peux accepter. Une honorable transaction. Vous avez ma parole d'honneur de marchand. Oh. Ça ne peut être qu'une réprimande du Seigneur pour ma... J'ai des contacts dans le monde entier. Je savais que nous finirions par faire affaire. J'ai la réputation parce que je suis devenu ami avec toi. Une transaction honnête est toujours la bienvenue. C'est un peu long à brûler par contre. Ah, ça commence un peu partout. Puis à sécher, tant pis. Je vais venir t'aider. 15 secondes déjà t'aider. Votre peuple souffre du manque d'amusement. Grand incendie, un incendie fait rage. Ah oui, dans le sud. J'en vois un gars, le fait. Dans votre colonie. La base d'opération signale un sabotage. T'as saboté où en fait? Peut-être pas, une maison de patricien, il faut faire une petite révolte. Tu brûles dans le sud? Ah ouais, j'ai coupé toutes mes casernes exprès. Moi je vois rien dans le sud. Ça fait un épisode un peu long du coup, mais on va pas couper maintenant. Dans le sud, je vois rien. C'était la fin. Bon, c'est pour s'amuser qu'on fait ça. En théorie, je me serais arrêté avant la sauvegarde. C'est tout bonnement volatilisé. Il s'est infiltré, c'est bon. Ah, bug de visuel. Ha. Bon bah t'as plus qu'à venir voir sur mon écran si tu veux voir la fin. Ouais parce que je veux voir ça moi. Et du coup je peux pas t'enflammer mais... Ça brûle surtout au sud, en bas à gauche de mon écran, je sais pas pourquoi. Ah par contre t'es en train de perdre des sous, clairement. Toujours en positif, c'est un truc de fou, ça. Quand même. Beaucoup, là, ah mais j'ai perdu genre 400 de coups d'entretien parce que j'ai détruit les églises et tout ça. Il y a une révolte qui s'est enclenchée. Oh, c'est bien. On voit les points de vie qui descendent, c'est wow. Ouais, j'ai mis ça dans mes réglages pour qu'on voie les points de vie. Et bah on les voit bien. C'est l'hécatombe. Ouais, là, t'as plus 30, ah, les besoins des habitants ne sont pas satisfaits. Pas de divertissement, pas de foie, pas de vêtements, pas de boisson, pas de nourriture. Ils ont juste de la compagnie, mais la compagnie, je peux pas la détruire sinon. Ça va m'embêter. Ah, si, je peux casser des routes, genre là. La production principale. Ah, du coup, les paysans aussi, Iral. Ah mais les paysans je les ai pas bloqués. C'est bizarre qu'ils aient brûlé quand même. Bah parce qu'il y a une révolte donc ils brûlent tout. Alors là, couper la compagnie, non on peut pas. Le reste on va laisser. C'est fou ici, ils sont mécontents mais ils brûlent pas. Bon, pour la prochaine partie qu'on fera ensemble, il faudra mettre des conditions de victoire plus faciles. Je pensais qu'on ferait une partie longue. Moi, j'étais partant pour continuer la partie, mais si ça amuse plus, erreur de s'arrêter.
production a été interrompue. Oh, il reste un chemin là. Ils sont en mode, on n'est pas content. On n'a pas d'amis. Trop beau. Là, t'es à moins 220. Ah, je suis enfin un négatif. Et j'ai gagné encore 3000 sous, c'est incroyable ouais, ça. C'est ma ville des émirs qui rapporte énormément. Attends, mais normalement les émirs. Attends, dis-leur. Ça. Un de vos navires est attaqué par les corsaires. Et du coup, tu vas gagner plein de sous. Mais là, t'es à 40. T'es à que à moins 40. Ah, c'est vrai que je peux couper ça en fait. Ah, j'ai plus de dettes. T'avais un petit manque de dettes. Bon, les perles, de toute façon, j'en ai pas. Une transaction passive pour la révolte. Dans bien des sens. Ah ouais, 8 bois pour 80. Il manque des ponts pour propager le feu. Les ponts. Bah, je sais pas si, vu que les maisons sont éloignées, ça risque de pas propager le feu. Donc tu rajoutes des maisons pour propager le feu. Mais t'es trop intelligent. Si vous m'aidez, que Dieu mette fin à cette misère, d'une manière ou d'une autre. Oh, il veut mourir lui. Que Dieu mette fin à cette misère d'une manière ou d'une autre. Ainsi, t'as cessé de... Si vous m'aidez à résoudre ce problème, je prends une capture d'écran. Pour le malentendu. Je suis à deux. Un de vos navires. Oh mon Dieu, j'ai découvert comment on ouvrait cet écran. On voit les points de vie. Les villes avec le niveau des villes. Goldford, ville de niveau 4. D'accord. Et Asgard, ville de niveau 5. Mais pourquoi ils brûlent pas tout, eux? De tiers. Pourquoi ils brûlent pas tout? En fonction des points de vie, en fonction du nom. En fonction de l'état. Pourquoi ils brûlent pas tout, les tout le monde, ils trouvent son compte. Je sais pas pourquoi ils cassent pas tout. Rien du tout, ils sont pas gâteaux. Ah, ils me payent cher, les gens. Ouais, c'est un peu déboulé. Hein. Ah, je suis en négatif là, par contre. Tu peux, genre, enflammer quelque chose. Ah non, tu peux pas mettre feu à tes propres trucs. Alors, moi, je pourrais, mais je vais vérifier si j'ai pas compliqué. Le jeu est bien fait. Quand il y a une maison qui s'enflamme, on a le temps, en théorie, de construire un truc de pompier à proximité. Et avant que ça se répande. Par contre, quand ça commence à se répandre, ça brûle tous les trucs voisins. Mon équipage d'abordage est déjà en train d'affûter ses couteaux. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit. Ah, rébellion là-bas. Que ça ? Je suis triste. Oh, j'ai juste pour mon repayer. Déménageant. Je sais pas si mettre du feu c'est. Regarde tes sous là qui descendent. Parce que je sais qu'on peut pas avoir d'incendie dans les villes du sud. Ça ? Ils font quoi alors ? Ils arrêtent de payer lorsqu'il y a une pourquoi danseuse du ventre ou lorsqu'il y a. Il faut mettre plein de gars du sud, un faux prophète. Si, voilà. Mais ils rapportent moins. Hein. Je crois que mes citoyens dans cette partie rapportaient plus. Ils rapportaient 15 mes citoyens. Les émirs, j'ai pas vu combien ils rapportaient. Mes autres, ils me rapportaient 7 les petits. Voilà, ils me rapportent rien mais. 28, les maisons de citoyens les plus luxueuses. Et j'ai plus qu'une maison de patricien. Incroyable. Ah, ils ont régressé. C'est des patriciens là. Ils sont repassés en citoyens. C'est fou. Je savais pas que c'était possible. J'ai déjà vu des maisons qui régressaient. Je me demandais mais comment c'est possible ça. Quand ils sont pas satisfaits, ils redeviennent au cran d'avant. Un incendie dévaste votre ville. Quand ils sont en régression, ils peuvent repasser dans le stade d'avant. C'est-à-dire que là, il y avait des patriciens partout. Ouais. Et maintenant, c'est des citoyens. Je savais pas que c'était possible. Ainsi, t'as cessé de produire des marchandises. Sauvegarde.
Bon, ça aura fait une longue dernière partie. Je sais pas si ça vous intéresse de regarder la fin. Moi, je la fais quand même. C'est fou, j'ai gagné 3000 et je perds 1000. Pourquoi tu gagnes encore 3000? C'est parce que mes types du sud ils doivent payer encore parce que dans le nord. Attends, je peux voir? Regarde les types du sud. Considérez, je crois qu'il y a. Ça. Attendez, c'est quoi? C'était F12? Oh, tu peux le payer pour. Quoi? Ça coûte cher. F12, malheureusement, c'est une capture d'écran. 27000, je propose. Celle-là, elle me coûte 3000. Elle me coûte 20. Parce que j'ai fait juste un entrepôt. Là, j'ai fait 10. Ça coûte 400. Ça coûte... Ah, je savais pas qu'on pouvait avoir ça. Goldford, ça me rapporte 350. Et l'autre, elle me porte 450. Oh, il demande énormément, lui. Je ne crois pas que vous ayez. Alors qu'il a. Deux bateaux. Tout ce qui est en jeu, deux bateaux. Oh, ils ont brûlé les mosquées. Pas encore. D'abord, ils brûlent les bâtiments publics et après, ils brûlent leur maison. Un de vos bâtiments est la cible d'une attaque. On entend les. Le feu? Ouais, on entend le feu. Le seul truc qui résiste, c'est ça! Et l'atelier de charpentier. Peut-être que l'atelier de charpentier et il peut pas brûler par incendie. Ouais, t'en as jamais eu, c'est pour ça que ta maison était toute noire. Oui, j'étais pas relié, bah je me suis pas fait suivre. Mais là, y'a plus de maison. Et encore, l'incendie s'est arrêté parce que j'ai plus de maison. Là, regarde, y'a encore des maisons, mais vides. En haut, là, j'ai encore des maisons, mais vides. Maison de paysan délabrée, ouais. Toute ma base, elle est comme ça. Et du coup, pour finir un joueur, c'est long l'incendie. Mais je suis pas en fait là. Attends, je suis pas en fait là. Non, t'es pas mort. C'est pas possible. J'ai encore des bâtiments, mais j'ai plus aucun paysan. À moins que. Attends. Ah, waouh. Là, y'a plus que le quadrillage. J'ai cassé des trucs aussi. De produire des marchandises. Attends, là, c'est bon ou pas? Ah, mais c'est vrai que t'as là. Mais voilà, c'est là. Ah, mais t'as déclenché une révolte aussi. Non. C'est pour ça que t'es pas en faillite, c'est grâce non, à eux. Je suis pas. Si, mais c'est les bâtiments. Ah, oui, t'as cassé les bâtiments de production, c'est pour ça. Ils ont plus d'épices, plus de. Plus... Ah, s'il reste le bâtiment de marché oriental. On a moins 2000. Plus rien ne circule sur la moins route. 2000. Épices quartz. Bon, finalement, vous aurez vu, j'aime bien faire des parties avec plein d'îles à côté. Donc j'ai pris cette île là, cette île là, cette île là et cette île là. Et j'ai fait circuler. Enfin, cette île là, je l'ai eu tout à la fin, mais. Et pareil, si j'avais deux îles à côté. Une juste transaction. La foule est sur le point d'incendier votre colonie. Donc pour la prochaine partie, on va faire une partie plus rapide avec des conditions de victoire plus simples, je pense. On termine le spectacle. Ah, ça s'est presque arrêté de brûler là, comme il n'y avait pas de lien. C'est une bonne stratégie ça pour arrêter un incendie. Vous cassez la ligne de maison qui sépare. Par exemple, si je casse cette maison là, celle-là, 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 je dois pouvoir couper l'incendie. Vu qu'on peut pas casser les maisons incendiées, ce serait trop simple. Ouais, ils vont mettre le feu autre part, mais ça va prendre plus longtemps. Et de ce côté-là, ça brûle aussi. Je sais pas pourquoi à chaque fois ils commencent par les maisons du bas à brûler. Incendie fait rage dans votre colonie. C'est ma solitude. Ça marche pas ça. Ah, t'as même des maisons délabrées. Je passe par le bas et ça marche. Ah, mais c'est parce que je suis pas en plein écran. Commandez.
et ces hommes seront à vous. Ah, j'ai plus de maison, donc j'ai plus de points militaires. J'ai plus le droit de faire plus d'armées. Et j'ai même dépassé mon maximum d'armées théoriques. C'est bon à savoir. Il y aura une île dans laquelle je me serais jamais installé. Deux îles dans lesquelles j'aurais jamais occupé, celle-là. Mais bon, ça, en fin de partie, j'aurais peut-être utilisé celle-là pour faire les trucs qui nécessitent les pourpoints de cuir. Mais comme j'avais son île à elle, j'aurais pu me débrouiller pour finir avec son île. Ouais, bah j'ai fini par raser toutes les maisons. C'était très très long d'ailleurs. Et ça brûle encore chez elle. Hein. Et elle a un incendie. En effet, c'est alors qu'on est en paix avec elle et tout. Oui, mais d'ailleurs, elle a plus que des paysans. Elle doit plus avoir de sous. Tout ça, c'est vide. Hein. Et elle a plus de troc anti-incendie. Elle a une église pour les paysans. La folle. Donc elle doit perdre beaucoup de sous, mais on l'a tellement détruite je que. Je serais heureux de vous aider. Moi, je sais pas moi. Tant que ma ville principale elle est pas morte, tant que ma ville sud. Attends, ma ville sud elle devrait bien être en train de brûler quand même. Tant qu'elle est pas morte. Non, elle est délabrée ta ville, y'a presque plus personne. De quoi? Bah, du coup, j'ai perdu. Ouais, tu veux. Enfin, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais. Regarde si tu peux me demander des sous, combien tu peux pas me demander? Bah, je peux pas, non, je peux pas. Vas-y là, tu peux. Un de vos bâtiments subit une attaque. Je peux demander et je sais pas si jamais c'est réaliste ou pas. On peut pas voir sonder les sous qu'ont les gens en voyant si on peut leur faire un prêt ou pas. Un emprunt ou pas. Bon, je pense qu'on va arrêter là parce que ça commence à être long. De ce côté là j'avais encore moyen de faire un gros pan de village. Mais il m'aurait fallu des trucs. Marie d'Artois a perdu. Quoi? Ouais. C'est pas moi? Ah non, c'est pas toi. Je suis deuxième. Ça devait arriver, donc là, la stratégie, si je veux récupérer ces trucs, c'est hop. Brûlez pas, je suis là. Vous êtes certain d'entrer? Il ne faut pas espérer une révélation en ce moment. Le peuple prie pour qu'une manifestation divine ait lieu au lieu de précis pèlerinage. Ouais, ma stratégie c'était aussi d'utiliser elle pour avoir de l'honneur, voilà. Comme le truc à tournoi qui est là. Organiser un tournoi pour amuser la population. Mais en fait, ça coûte des armes, ou alors ça rapporte peu. La population vous adulera. Et on peut faire plusieurs arènes de tournoi si on veut, et ça permet de récupérer de l'honneur. Comme le fait de faire des dons, demander de l'honneur. Je fais une généreuse donation et. Ah, parfois il me file rien, je comprends pas pourquoi. Que vous soyez là. De la part du sultan, merci. Pot de vin. De la part du sultan. Il file rien, c'est fou. Alors que c'est un gros don. Peut-être parce que j'ai plus d'habitants, c'est pour ça. Vous n'êtes pas le genre de partenaire commercial que je choisis. Il a refusé parce que ça a trop duré. Bon. Voilà.